vous abonner et belé pour bon mon abisso mingi mingi. Soy bolimbo et baba activité na biso, vous abonner na Congo et Sengo TV. Bokoye ba nyonso oyo biso tozali. Donc tozali ko benga bino et belé vous abonner na kati chaîne oyo Congo et Sengo. Bokoye ba sifodi azali nani azali nini asala kanini pe lolenge nini tozali ko évoluer. Vous êtes trop amoureux du pays. En ce jour du 31 janvier 2020, pour cet échange de vœux, mais aussi pour partager avec vous et parler du Sifodi. Pour ceux qui ne le savent pas, Sifodi, c'est une abréviation qui vient de Centre international de formation pour le développement intégral. Pourquoi Centre international de formation? C'est juste parce que nous avons constaté que l'être humain évolue correctement quand il se forme à temps et à contre-temps. Pour être formé, ça ne nécessite pas un diplôme en amont, un diplôme universitaire en amont, car Dieu a créé chaque être humain avec beaucoup de capacités et de qualités. Malheureusement, pour nous, êtres humains, nous ne détectons pas ces qualités à temps pour accomplir la mission qui nous est destinée, d'où le Centre international de formation pour le développement intégral s'est assigné la mission de réveiller en l'être humain les qualités et les capacités qui sommeillent en lui. À travers la formation, la sensibilisation, la conscientisation pour lui permettre de participer au développement de son pays en particulier et de l'humanité en général. Ce qui implique l'aspect international en réponse à la question que nous nous sommes posées dans les lignes précédentes. C'est à ce titre que Sifodi fait de la formation son cheval de bataille et le socle de ses actions dans les diverses, dans la diversité de ses objectifs. Quelle que soit l'activité organisée, l'on retrouve forcément l'aspect formation. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, depuis 2012, le Centre international de formation pour le développement intégral, Sifodi, s'est lancé dans une dynamique tournée vers la création d'une classe moyenne en réponse à la dégradation du niveau de vie de la population congolaise. C'est juste ce qui justifie ces actions en province où Sifodi, à ce jour, a 9 représentations actives, notamment à Kinshasa, au Katanga, au Lomami, Kasai Oriental, Sankuru et Kasai Central il y a 2 mois déjà. Où s'exercent les activités ci-après. La pisciculture, l'apprentissage à la couture, l'agriculture, la sensibilisation à la culture financière, à la culture fiscale, pardon, à la bonne santé, etc. Que en dehors de nos activités actuelles, habituelles, annuelles, dont les jeux concours des génies en herbe pour les femmes et les jeux des vacances pour les enfants. Pour votre information, nous avons ouvert depuis 2016 à Mbujimayi une école primaire dénommée Saint-Pilote, qui compte 9 enseignants, 3 administratifs, 175 élèves, allant de la première année jusqu'en 5e primaire. Cette école regorge aussi en son sein, un centre de récupération pour les enfants en retard de scolarisation. Quand on parle des enfants en retard de scolarisation, on pense aux enfants qui ont dépassé, par exemple, déjà le niveau de première année,
mais qui veulent étudier, on les récupère. Il y a un système qu'on a installé pour la récupération de ces enfants-là. Et nous vous signalons que ça fait 2 ans déjà que nous avons passé, ces enfants-là ont passé leur TENAFEP, donc l'examen de 6e. Donc c'est comme des autodidactes au fait. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, en cette année 2020, le CIFODI projette d'ouvrir un centre de formation au Sankourou et 2 centres de santé au Sankourou et en Mbujimayi. Pour finir, CIFODI, à travers ma personne, voudrait attirer l'attention des décideurs, donc l'État, sur les efforts que fournissent les structures non gouvernementales dans l'accompagnement des actions du gouvernement dans les domaines de développement, formation, sensibilisation et encadrement des enfants, des familles démunies, parce que un adage congolais dit en lingala « Mosapimoko esukolaka elongite » comme pour dire « CIFODI seul ne peut pas tout accomplir dans la perfection ». Donc, nous avons besoin de l'appui de tous, les particuliers que vous êtes, comme de l'État. Sur ce, je vous souhaite mes voeux le meilleur pour cette année 2020 que nous avons dénommée année de la perfection dans la bonne et franche collaboration. Cela étant, je vous invite à partager un verre ensemble pour nouer cette franche collaboration. Je vous remercie. Saluons les gestes combien développementaux de l'ONG et de l'initiative qu'a prise Mme Agnès. Mami, nous, c'est la société Given, nous sommes spécialisés dans la production des invitations, des cartes de vœux et des consommables informatiques. Nous accompagnons toujours l'ONG CIFODI dans ce qu'elle fait, et comme on dit, seul on peut bien faire, mais ensemble on peut mieux faire. Cela étant, nous les encourageons d'aller toujours de l'avant pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes tous assignés. Encore une fois, merci et meilleurs vœux. Ngai kombo ngai mami Agnès Ndai naza présidente ya ONG CIFODI otobengi na beaucoup c'est CIFODI il a kisi centre international de formation pour le développement intégral ezalaki to sala échange de vœux na ba partenaire na biso nyonso ezala ya presse. Et ça, il y a beaucoup de contributeurs qui ont été maman, tobana, pour nous saluer ça. Bisonyo soto soto kutana, tout ça l'année et là il y a sika. Parce que nous avons 2020 pour nous biso ezali année moko otolingi vraiment ezala année moko ya collaboration moko franche na ba partenaire na bisonyo so. Donc otolingi ezala réussite moko totale. Nous kaka ezali 2020 ma communion se à la 20 sur 20. Mon objectif est ebélé, mais autre bengato ou le besa principal est formation. Parce que dans ma communion sur tout ça là ka to suka kaka kana et loko moko o ezo mema mutu a luka ko yeba a luka ko se former. To zui mikanda na 2012
mais tout banda activité depuis 2011. Donc tout ça là ba activité o ya koloba ba pêche tout bandi pisciculture sikoyo mais tout le ba pêche wana zaki na ba période ya ba fête ya ba misala maboko tout ça là ka moi ba activité na modèle wana tout ça na ba activité o biso moto benga ba activité phare ezanga raté to sota ka yango te chaque année ezali jeu à génie en herbe pour na ba maman chaque année to bandaka ngo le 21 février ndezaka jour ya lancement on anini le 21 février parce que le 21 février ezaka journée internationale ya langue maternelle alors biso na kate ba objectif na biso to zali pe na partie moko ya promouvoir les langues nationales. Na cadre wana ya ba objectif wana nde to sala jeu wana pour que to la musali susu ba langue na biso national poto mona ki que ba te belé ba komika ka lo poto français anglais ba langue ya biso moko bazolinga suko lo ba yango te hein et koma ki ba to moko surtout ba jeune fille hein kaka am nini to lobite wana to komo bungisa culture ya mboka na biso quand même anglais wana mukolo nango kuna esika na bango eza munoko na bango français ba o esika uta eza munoko na bango pourquoi biso oya biso to bungisa ngo poto yamba oya baninga nazo senga na l'état à soutenir biso to sali vraiment na ba vision ya minene ya ebele oyo to koki to salisa po ba ONG o peut-être l'état e moko miye bakate ou bien pe ba ONG msusu pe ba miye bakate mais ba ONG ezalaka ba appui hein ezali wana pona ko appuyer ba action ya gouvernement yango na tozali ko senga ke gouvernement aye ba ko salisa biso toza vraiment ko senga appui ya gouvernement ba salisa biso neti awa to loba lelo mo konzi mboka lobi gratuité na surtout l'étendue de la république mais biso c'est depuis 2016 tozalaka déjà na école na niveau ya Mbujimayi oyo to bengi Saint Pilote biso déjà na niveau wana biso to bandaki bana ba bandeko ko futa 2000 francs pour na ko permettre ne fût-ce que ba enseignant ba soka ta transport ya ko koma esika ya ko pesa ba cours na bango donc biso to zali déjà comme na gratuité déjà hein alors lelo oyo lokola mokonza mboka lobi gratuité to za ko espérer que ba enseignant na biso bako soit pe quelque chose pour basal ça peut mabota na bango parce que la plupart eza bato yo bazo sala bénévolement parce que bango pe bazana na posa ya ko salisa lokola biso 081 99 41 781 wana eza numéro ya ngai moko adresse na biso tozali na kati ya Kasavubu na commune ya Kasavubu na avenue Kimwenza numéro 62 non loin il y a Triomphal. Vous êtes trop amoureux du pays. Bon s'abonner et belé pour bon mon akabiso mingi. So yo bolimbo ye baba activité na biso, bon s'abonner na Congo Esengo TV. Boko ye ba nyonso oyo biso to sali. Donc tous les gens qui ont été ebele pour s'abonner à notre chaîne Oyo, Congo et Sengo, pour que vous puissiez Azali Nani, Azali Nini, Asalaka Nini, et que vous puissiez évoluer.